De retour sur le plateau d'Échos et Merveilles, on est en compagnie de Fon. Mais juste avant de les interviewer, on se regarde un de leurs clips et on se retrouve juste après pour l'interview. A tout de suite. This is about a prayer to the holiness of the sun. It's an old Nordic, old Norse rune poem that we put to music, and it's called Baldur. Donc nous revoilà en charmante compagnie parce que nous avons le grand plaisir d'accueillir Fon avec nous.
Donc ils sont là, ils sont contents, ils jouent ce soir sur la scène du Bascala, ils ont vraiment hâte. D'ailleurs, ils sont très contents parce qu'ils viennent de me dire que là, il y a une petite brise très agréable, donc ils ne veulent plus quitter le plateau pour notre plus grand bonheur. Donc on va très très vite vous faire découvrir ce groupe incroyable. Donc c'est un groupe allemand, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'on ne présente plus hein, dans le milieu traditionnel, médiéval, néo-pagan. Vraiment très 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 haut niveau, top qualité. Donc on est très contents de les accueillir. Donc c'est vrai qu'on l'a, donc l'interview va se dérouler en anglais comme précédemment avec Brother C. Donc je vais vous présenter les questions en français et après vous les traduire bien évidemment pour vous qui nous suivez. Donc déjà on va leur demander un petit peu à Faun ce qu'ils aiment autant dans l'imaginaire, parce que l'imaginaire est très présent en fait dans leur création, dans leur processus de création, dans leur univers. So the first question is going to be about the imaginary, because you know Echo et Merveille is a festival celebrating the imaginary. And actually, I know that you've got a universe based on the imaginary as well. So could you tell us a bit more about what links you, what links Faun to the imaginary? Oh, the imaginary, sorry. I think our basis is not really medieval, because we like to have like fantasy, pagan inspirations to go into mythology. And I also think that there's much more things are possible in our mind to change the world around us. And it's a good teaching to go out, to dress, to be free, to be creative. I think it really helps our society. So we all just feel very much at home. Donc en fait, il m'explique que l'imaginaire, c'est très important pour eux parce qu'ils trouvent que c'est une vraie liberté, en fait, que c'est la liberté de la créativité, d'être comme on a envie d'être, de s'habiller comme on a envie d'être. Donc c'est vraiment ouvrir le champ des possibles. Et il rajoute également qu'effectivement, Faun, c'est plus qu'un groupe médiéval, c'est vraiment un groupe créatif, pagan, de l'imaginaire, qui va vraiment s'inspirer de cultures de fantasy. Donc on est plus qu'effectivement sur un groupe historique, on est vraiment sur un groupe avec une créativité assez large. Donc maintenant, on va leur demander un petit peu comment est-ce qu'ils se considèrent eux-mêmes, parce que c'est vrai que donc on a parlé de cet imaginaire qui est hyper présent dans leur processus de création. Et maintenant, ce que j'aimerais vraiment leur demander, en fait, comme vous pouvez l'imaginer, c'est est-ce que cet imaginaire les suit au quotidien aussi, ou est-ce qu'ils font vraiment une différence entre le quotidien et la scène? So actually, we just talked about the imaginary, about the fantasy. And I wanted to know, do you live on a daily basis following this fantasy and imaginary spirit, or do you make a clear separation between Faun, your band, your universe, and your current lifestyle? I think it depends. Some of us probably do, but for speaking for me, and maybe also a little bit for Oliver, we definitely believe in like the health of old ways, really, honoring nature and everything that is around us and the lived world, which does not only contain of humans, but also trees, the animals all around us, and they need to be honored in the circles of life that we all had in past times, like Beltane and all these kind of festivals all around the year celebrating certain states. Thank you so much. Donc là, c'est vraiment incroyable parce que Faun, il vient de nous expliquer en fait que pour eux, effectivement, ils ne sont pas du tout dans une scission entre ce qu'ils véhiculent comme message et comme créativité dans leur groupe et leur mode de vie, parce qu'ils ont un mode de vie qu'on pourrait qualifier en fait d'inspiré du paganisme, en fait, où ils s'intéressent beaucoup à la nature, ils s'intéressent beaucoup au folklore qui est très important pour eux, au sabbat, comme là ils viennent de me citer le sabbat de Beltane. Donc pour eux, c'est vraiment hyper important d'honorer la nature, d'honorer en fait le vivant, et ça fait vraiment partie en fait de leurs valeurs profondes. Et donc ce n'est pas du tout un postulat ou une création pour le groupe, ça représente vraiment ce qu'ils sont eux vraiment. And I think we are not separating because it would be schizophrenic in our mind. I'm too most simple to do the double. For example, these are my shoes and I wear them every day. They're perfect. They're medieval Viking shoes and they're much more comfortable than modern sneakers. So, yes. Yeah. Donc là, là c'est super parce qu'il vient de me montrer par exemple ses chaussures qui sont des chaussures vikings traditionnelles médiévales. Et il m'explique en fait qu'elles sont vraiment beaucoup plus confortables que les chaussures contemporaines, modernes, et qu'en fait il les porte tous les jours. Donc c'est vrai, on est aussi dans ce mode de vie avec moins de consommation, plus de simplicité et une vraie authenticité. Yeah. And I also think like we are, for example, also wearing like amulets. I'm wearing a sun cross and stuff, and that's also kind of, you know, if you would only have that when making music, it would be, for example, in a week, 2 hours or something. And I think it would feel wrong to not be fully what you kind of represent. So we are really
showing the world our innermost. Thank you. Donc là, là, ce qu'elle vient de m'expliquer, c'est que c'est vraiment un tout dans le sens où on n'est pas dans quelque chose de divisé, qui serait en fait un petit peu malhonnête. On est vraiment dans quelque chose d'honnête, au contraire, où en fait ce que Fawn veut véhiculer à ses fans, aux personnes qui les écoutent, c'est ce qu'ils sont réellement. C'est vraiment eux, c'est leur personnalité, c'est leur état d'esprit. Et ils ne sont pas effectivement dans une représentation, mais ils sont vraiment en train de montrer quelque chose de super honnête, très authentique par rapport à leurs valeurs, à leurs croyances. Donc maintenant, on va parler un petit peu justement de ce folklore qui anime Fawn, parce que c'est vrai que les chansons de Fawn, elles parlent beaucoup du folklore traditionnel, assez féerique, mais aussi des contes, et on parle aussi de sorcellerie, de paganisme. Donc maintenant, j'aimerais bien leur demander un petit peu quelles sont leurs inspirations actuelles et comment est-ce qu'ils ont toutes ces idées. So basically, your songs are the fun songs. They talk a lot about paganism, witchcraft, tales, folklore in general. So I wanted to ask you, where do you get all these inspirations and where do you get all these ideas? I think mostly by people. We love to meet great people, like to travel. Then we go to London, to Paris, to great cities, and we meet interesting people because it's the best way of knowledge, much better than books. And I saw a really nice quote. We also have it in our last CD. It's of an English Wicca lady, of Vivian Crowley. And it's, I think it shows very nice. It says like, magic is not we do something and the things are changing. Magic is more we do something and our perception is changing, and this changes the world around us. And this is so important, to change the perception. Thank you. Donc là, ce qu'ils m'expliquent, en fait, c'est qu'ils ont vraiment cette inspiration, notamment de leur voyage, parce qu'ils vont dans beaucoup de villes, ils vont à Londres, ils vont à Paris, et ils font beaucoup de rencontres humaines. Donc l'humain est vraiment important dans leur processus de création, en plus de la nature, bien évidemment. Et là, ils m'expliquent qu'il a fait une rencontre incroyable avec une dame qui était assez intéressée par la Wicca. Donc la Wicca, c'est une branche, en fait, de la magie plutôt contemporaine, qui lui a expliqué que, en fait, la magie, c'est pas juste les actes, mais c'est aussi une question de perception, et ça change beaucoup notre vision du monde et la perception qu'on a du monde, avec un regard du coup un petit peu différent qui va du coup se moduler en fonction de ce qu'on vit, de ce qu'on va traverser. Et maintenant, on va leur demander un petit peu comment ça se passe avec leur tournée, en fait, qui s'appelle le Pagan Tour, donc la tournée païenne, en fait, parce que c'est vrai que donc là ils ont pas mal de dates. Et c'est vrai que cette tournée, elle est également orientée pas mal sur le paganisme, parce que le groupe, il est de plus en plus là-dedans. Donc on va voir un petit peu avec eux qu'est-ce que le paganisme représente pour eux aujourd'hui. Est-ce que ça a toujours été une source d'inspiration forte ou est-ce que c'est de plus en plus le cas? So your current tour is named the Pagan Tour, and this name is not just a coincidence because you seem more and more drawn to paganism, witchcraft, Wicca and so on. Has it always been the case or do you feel more and more drawn to that? I think we started off with the name Pagan and with the name Fawn, the horned god. But at the beginning, it's more intuition. And then the more we knew about it, the more it grew inside of us. And the more the people also were asking questions, were interested. So it has really grown on us. And by now, I think it became the most important content of our music. Sometimes it's more important what we sing about and the myth we work on than the music around us. Mm-hmm. Thank you. En fait, ce qui m'explique, c'est que ça a vraiment été au départ une intuition de s'appeler Fawn, comme le dieu païen, le Fawn, en fait, et que progressivement, c'est devenu quelque chose de beaucoup, beaucoup plus construit, vraiment élaboré, et qu'ils ont vraiment évolué dans ce sens au fil des années, mais qu'il y a toujours eu cette ligne directrice, il y a toujours eu ce cheminement, et que parfois, pour eux, ça peut presque être plus important de travailler sur une mythologie en particulier, sur un mythe ou un conte en particulier, que sur la musique, et parfois la musique vient après. Ils ont un processus de création qui va un petit peu dans ce sens. Et maintenant, on va parler un petit peu justement musique vraiment au sens propre du terme, parce que c'est vrai que leur musique, elle regroupe, en fait, la musique de Fawn, elle regroupe plusieurs styles. Donc, on a un côté un petit peu métal, parfois on a un côté un petit peu médiéval, traditionnel. On a vraiment plusieurs styles entre l'ancien et le moderne qui se rejoignent. Et on va leur demander un petit peu, du coup, comment ça se passe quand ils jouent dans des festivals, parce qu'ils jouent dans plein de types de festivals aussi. Ils jouent dans des festivals médiévaux, des festivals de métal, des festivals gothiques. Et quel est leur positionnement par rapport à ça? Est-ce qu'ils aiment cette diversité? So, talking about music, you've got a style which is quite diverse because sometimes it sounds quite metal, sometimes it sounds quite medieval, and you actually are invited to play in lots of big, different music festivals. Sometimes you play at the Hellfest, metal festivals, or medieval festivals, or goth festivals as well. And what do you feel about this diversity? Do you like it? I love it. One must know that, like, all the musicians in Fawn are pretty diverse
from their background too. And now we are kind of like strains that are braided together. We are really working together very well, but of course with that comes a lot of different influences, but what stays the same is the core of the music, like what we want to message. And with that having already kind of a fix, it sometimes falls into place, you know, just immediately, all on its own. So yeah, I think it can only be diverse. Also, the CD, it has 15 songs, and every song is, yeah, something very special and unique. Thank you so much. Donc là, ce qui m'explique, c'est que cette diversité, c'est vraiment très, très important pour eux et qu'ils adorent cette diversité. Et que d'ailleurs, en fait, leurs musiciens, ils viennent tous de backgrounds assez différents musicalement. Donc, ils ont des musiciens qui sont plus rock metal, d'autres musiciens qui sont un peu plus inspirés, voilà, plus tradis, plus médiéval. Que pour eux, c'est l'essence même, en fait, de la création, cette diversité. Et c'est vraiment source, en fait, de nouvelles inspirations. Et, Sorry. I want to add also because sometimes we also go into English folk fairy tale, then we have more Celtic harp, but then we have another song about a druid, a big wizard who goes into a battle, and then we use electric guitars. So it depends also on the mythology we're working and on the story we want to tell. Thank you. Donc là, ce qu'il vient de me dire de très important aussi, c'est que les instruments qu'ils vont utiliser, donc soit plutôt traditionnels, comme des instruments médiévaux, soit plus modernes, comme par exemple la guitare électrique, vont beaucoup dépendre du type de mythe qu'ils vont raconter. Donc par exemple, s'ils font faire plus de la mythologie anglaise, un peu traditionnelle, un peu folk, ils vont par exemple utiliser la harpe, ou s'ils vont faire quelque chose de beaucoup plus guerrier, ils vont peut-être utiliser la guitare, guitare électrique pour insuffler ce côté un peu rock metal qui va aller justement avec le mythe dont ils vont parler. Donc c'est très lié en fait dans le processus de création. Donc maintenant, on va parler un petit peu de leurs actus. Je me permets, dans le chat, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et on les posera à la fin de cette interview, donc n'hésitez pas. Absolument, merci Pauline. Donc là, c'est vrai que Faune, ils sont actuellement en tournée, donc on va leur demander un petit peu comment ça se passe et où est-ce qu'on va pouvoir les entendre après ce soir, évidemment, au Bascala, on a vraiment hâte. So you guys are currently on tour, so we can of course go to your gig tonight. We're very, very excited about it. And where are you going next? Can you tell us a bit more about it? It's actually a big medieval market in Germany. The biggest one, right? I've not been there yet, but Oliver said it's a really beautiful one. It's a really big one. And after that, it will be a Gothic festival. Yeah, we go Wave Gothic, Treffen, big one. Then we go Metal Festivals, Wacken Hellfest. Yeah. We go, it's so nice. It's the variety you talked about. Yeah, medieval market, Gothic, metal. Yeah. And the next gig in France is going to be Hellfest. Yeah. That's great. Les Sons. We can't wait, thank you. Donc là, ce qui m'explique, c'est qu'effectivement, ils ont un planning pour le printemps-été à venir 2023 qui est assez chargé, donc c'est tout ce qu'on leur souhaite. Donc on va pouvoir les trouver, là justement, parler de diversité, c'est drôle parce qu'ils vont être sur des endroits hyper variés. Donc là, ils vont attaquer en Allemagne dans un hyper grand marché médiéval qui a l'air incroyable. Donc on peut retrouver Faune en Allemagne là-bas, si on veut une ambiance un peu médiévale. Après, ils vont également faire le festival qu'on ne présente plus en Allemagne, le Wave Gothic Treffen. Donc là, ce sera plus orienté gothique dans l'ambiance, dans les groupes. Et on va également pouvoir les retrouver lors du Hellfest en France pour leur prochaine date. Donc si vous voulez revoir Faune après ce soir ou les découvrir, si vous n'avez pas pu être là, ce qu'on regrette, ce sera au Hellfest. Voilà. Donc maintenant, on va leur demander un petit peu, donc une petite question pour vous les fans qui nous regardez. Est-ce que Faune, ils ont un message pour vous? Donc là, do you have a message for your fans who are expecting you tonight? Well, I just wanted to give, because you were asking where we go next, but I just wanted to add that in October, we had four shows in France. And I really have to add that it was the most beautiful experience, especially Bordeaux and Lyon. It was really... again, merci for the French fans because it was amazing to play for you. And no pressure, but because we had such a good shows in France, we expect a lot tonight from the audience. Donc pas de pression, mais vous avez intérêt à tout donner parce que Faune, ils sont habitués vraiment à du très 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 haut niveau venant de nous les Français, donc ils vous attendent vraiment au tournant pour ça. Donc là, on a une dernière question pour eux vraiment liée au festival. On va leur demander ce qu'ils ont pu un petit peu se promener déjà au festival. Quel est leur ressenti par rapport justement au fait d'avoir déambulé un petit peu? Est-ce qu'ils ont vu des choses qui leur ont plu? So about Echo et Merveille, about this festival, did you have time to wander a bit about around the festival and did you find stuff you really liked you want to share with us? Not yet, because we just arrived yesterday evening. We want to walk afterwards, we walk around, but I love a medieval market and we had a very, very tough winter. So this is the first summer day for us.
And I think we're gonna go naked now and just enjoy a medieval mark. Well, thank you so much, Fawn. Thank you. Thank you. Tu traduis la fin? Oui, alors Fawn, ils ont vraiment très 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 contents. Là, ils viennent d'arriver, donc ils n'ont pas encore eu le temps vraiment de se promener. Mais là, ce qu'ils viennent de me dire, c'est que c'était vraiment le premier jour où il fait aussi beau, parce qu'ils ont eu un hiver assez dur en fait en Allemagne, assez froid et tout ça. Donc là, ils sont très 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 contents. Et ils n'ont qu'une hâte, c'est se promener, aller au marché médiéval. Donc vous allez peut-être pouvoir les retrouver là-bas si vous êtes fan. Et ça, ce serait vraiment très chouette. Donc ils vont aller se balader, ils vont aller bronzer. Et ils sont super contents. Ils ont hâte de vous retrouver ce soir. Thank you so much. Thank merci you. Beaucoup.